Et il est là, il est là, il est là! Donc c'est bien toi, les 73-51, mon ami, mon frangin, Gilles. Donc c'est bien toi que j'ai entendu sur le 555. Alcoolique, ivrogne. Et le comble, c'est que je déteste le vin en plus. Attends, je suis en train, parce que là tu m'as pris de court là pour le coup. Bon, je t'ai entendu là sur le. Attends, j'essaie de. Voilà. Je t'ai entendu là sur le 555, mais j'étais pas très sûr. Et puis comme je viens juste d'arriver là, voilà, je viens juste d'allumer le poste. J'avais un rendez-vous là quelque part, tac, et puis j'arrive juste. Alors toi, là, juste avant de. Là, j'ai démarré une vidéo, là, du coup. Juste avant, j'ai entendu les départements français et tout ça. Alors, des départements français qui lancent appel en Brainfort. Donc, en anglais, mais bon, d'accord, passons à chi. Et bon, bref, ça arrive bien d'un petit peu partout. Je crois que j'ai entendu l'Espagne ou l'Italie, je sais plus, ou dans ces coins-là. Mais je ne m'attendais pas du tout à entendre du côté Québec. Ah bah tu m'étonnes, c'est du 50, entre 53 et 55 chez moi. Donc, et puis je peux te dire que la radio elle est bonne. Pardon. La radio est vraiment excellente là aujourd'hui. Hein. Ah ben rien du tout, puisque dans le montage vidéo, je suis obligé d'en rajouter un chouïa pour mettre la petite truc de le petit truc d'exotique dedans. Non, non, y a rien du tout là. Y a même zéro écho, y a rien. De mon côté aujourd'hui, la fréquence est propre, hein, c'est nickel. Enfin, nickel pour la fréquence propre, je veux dire. Ah oui, tiens, ben j'ai pas regardé la température là en arrivant. Hein. Je te dis ça de suite. Ah zut, j'ai la température extérieure qui a QRT. Et il va falloir que je change les piles. Je peux pas te dire, mais à vue de nez comme ça, je dirais qu'il doit faire dans les 12-13 degrés. Oh oui, facile. Ouais. Il doit faire dans ces eaux-là. Ah mais attends, je sais comment voir ça. Alors combien ça me dit là? Ça me dit. Ah bah tiens, pile poil, 13 degrés. Voilà, je suis en train de regarder là sur les caméras. 13 degrés là, j'ai au QRA. Enfin dehors. Achille. Ça va refroidir, refroidir, et puis ça fait
Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Mais c'est vrai que là, je vois en même temps là, en ce moment là, les vidéos là de Pascal. Je sais plus comment le Vendette, le malade Vendette, je sais plus. Oui, quelque chose comme ça. Je vois en ce moment là, les vidéos là qu'il fait là en mobile. Ah, il a quand même pas mal neigé, hein. Il y a quand même ce qu'il faut là côté neige, hein. Mais oui, je vois ça là sur ces vidéos, effectivement, hein, y a quand même une bonne couche, hein. Ah, t'as du QRM qui est en train de monter? Putain, j'ai rien, j'ai zéro, nada que chic de mon côté. Attends, j'ai pas tout compris. Là, j'ai zéro de QRM là, de mon côté. Rien, rien, rien. C'est le silence. On va dire que les 7 QRM que j'ai, ça me vient du côté là, du web SDR. Alors, le web SDR de Montréal-Laval, j'arrive toujours pas à l'avoir, à croire qu'il est QRT. Donc, je suis sur Montréal-Centre. Je crois que lui, je vais l'arrêter parce que c'est trop saturé de QRM. Et quoique, je vois une trame, une traînée là-dedans. Ah ben ça, c'est moi, ça. Ah ben oui. Ok. Et par contre, sur Ottawa, c'est pas évident. Je suis pas sûr que j'ai l'air de passer de ce côté-là. Ben, t'es le premier contact que je fais là aujourd'hui. Ben, c'est pas compliqué. Bon, avec le décalage horaire, j'ai travaillé cette nuit. Je me suis levé donc à midi. Midi, bon, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire, hein, petit déjeuner, blablabla. Je me suis aussitôt mis sur le travail de ta vidéo qui était téléchargée sur l'ordinateur. Et que j'ai vite mis en ligne, vite partagé et vite parti à un rendez-vous. Donc, toi là, j'arrivais juste. Ça faisait quoi, peut-être, allez, 1 minute, grand maximum 1 minute, que j'ai allumé le poste, avant que je t'entende sur le 555, et puis après, bon, ici. Je l'entends mieux là. Ok, d'accord. Ouais, donc t'as pas eu le temps d'écouter ta vidéo, voir ce que ça donnait au niveau filtrage ajouté. Bon là, je suis toujours en phase de test, on va dire, au niveau manipulation logicielle. Comme sur ma vidéo, sur la tienne aussi, hein, j'ai rajouté du filtrage anti-bruit. Mais c'est pas évident, évident. Tu vois, quand je règle cette fonction-là sur le logiciel, la Vidéopad, eh bien, la personne qui parle, ok, quand je pousse un peu plus, va bien passer dedans. Mais le bruit arrivant, le son et tout, les OM arrivant de la CB, si je pousse un petit peu trop, eh bien, ils sont un peu étranglés, quoi. Et je suis toujours dans la phase de test de ce réglage-là. Donc là, j'ai le réglage par défaut là pour l'instant qui est pas trop mal. On sent que ça filtre un peu plus quand même, mais c'est déjà pas mal, quoi. Je viens de recevoir une du président.
Ah ouais? En carte QSL ou EQSL? Oui, c'est en vraie carte QSL reçue par la Poste ou en EQSL reçue par Cluster DX? Voilà. Hop là, ça part, ça, c'est en train de foutre le camp là. Tu m'es arrivé à Santiago 0, Santiago 1, ça fait le yo-yo. Je sens que ça va être une propag plutôt faible. Alors que pourtant, là, juste avant le QSO, ça, j'entendais que ça bombardait de partout là. Enfin, sur le 555. Et là, toi, là, c'est en train de tomber là, on dirait. Bon, c'est pour mieux remonter après, hachi. C'est pas moi qu'on voit à gauche. Non, c'est pas terrible. Oups là. Oh non, c'est vrai que c'est pas terrible. Et puis, ils sont où? Ils sont où? On est que tous les deux. Hachi. Ah. Eh ben voilà. Vas-y Gilles. Oui, Gilles. Oh la vache, il est parti en fréquence. Il a dû toucher son bouton. Affirmatif, les 73-51 Eric, 14 km, 33-01 Rémi. Voilà, sur le département de la Gironde, à Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Par contre, aujourd'hui, t'es décalé en fréquence, Eric. Je suis obligé d'aller te chercher un peu plus haut en fréquence, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai un clarifieur sur le poste, hein, il est là pour servir. Hachi, retour Eric, si tu m'entends. Pardon, je m'étrangle. Merci pour le retour du micro. Oui, mais j'ai bien compris que là, le poste est froid. Hein. Donc, c'est normal. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Gilles, aujourd'hui, il est pas mal au niveau calage en fréquence. Il est pas mal. C'est un cheveu. Bon, là, c'est pas grave. Hein. Je le dois sur le clarifieur et puis je joue avec. Hein, et puis, c'est tout. Hein. Voilà. Hein. Alors de mon côté, au niveau température, eh bien, c'est un 13 degrés que j'ai là ici. Mais bon, c'est de la pluie. Les routes commencent à inonder par endroits, ceci, cela. Bon, moi au QRA, je suis tranquille. Hein.
Là où je suis, avant que je sois inondé, toutes les maisons aux alentours seront déjà sous la flotte. Hein. C'est pourtant je suis dans une cuvette, mais une cuvette qui est quand même assez haute par rapport aux autres maisons qu'il y a dans les environs, ou là qui sont plus dans la plaine, on va dire. Où là pour eux là ça risque vraiment. Et c'est vrai que le quand je vais et que je sors du boulot, bon, je fais un petit peu attention quand même, un peu plus attention sur la route. Je harde bien le, on va dire, le brillant de la route. Voir dans les endroits si ça brille pas un peu trop, ou là il faut que je me méfie davantage, quoi. Aqua planning. Voilà, je me méfie de ces petits pièges là, quoi. Je vais faire un retour sur Gilles pour qu'il nous donne un peu, qu'il nous redonne un peu la météo là de son côté. Oui. Côté WGX, c'est froid aussi, mais là, c'est prêt à moins court un peu. Je vais faire je vais regarder ça. Je vois moins. D'accord. Sur Montréal, je m'étais trompé de fréquence. Ah, moi non plus, c'est silence radio de mon côté. Affirmatif, je suis toujours là, hein. La fréquence est toujours aussi propre là, de mon côté, là aujourd'hui, là c'est nickel, c'est, je pourrais presque enlever les filtres, hachis, mais là non, j'ai pas entendu, j'ai entendu personne d'autre hein, de mon côté, rien, que dalle. Yeah.
Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a... Attends, j'ai pas compris. Hein. Est-ce que j'ai pris mes vitamines? Ah oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai pris mes vitamines. Non, non, pas la bleue. La rouge. Oh, 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 la rouge, la rouge. Aïe, 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 la sauce est comme voir le vin rouge. La vitamine piment. Ah oui, piment rouge. Pourquoi? Parce que là, tu m'entends plus, là? Et il m'entend plus. Dans ses rires. QSL, Eric, oui, ben c'est ça, sur le SDR, ben c'est un peu mieux pour toi. Moi, je l'utilise pas, hein. Je l'utilise pas parce que ça m'en fait trop dans les oreilles et puis ça fait un peu le bazar, là. On dirait que tout se mélange en même temps, fait que je vais directement à la pêche, à la ligne morte. Ah, le poste chauffe. QSL, merci beaucoup pour le 59, Eric. Ah ben, ton poste, il va se réchauffer, sinon t'es un petit peu haut, hein, t'es juste un petit peu haut. Tu sonnes un peu comme un petit canard là, qui a le bout du nez pincé, là. Avec votre permission, Eric et Rémi, on a le tannant Claude, de la frontière franco-belge, 14 Romeo Charlie 590 du département 59, la frontière franco-belge. À toi, Claude, 73-51 de l'ensemble du groupe. Ben, il est parti. Wow! Et il passe. Oh, c'est Florent! Oh, désolé, Florent, hein, je sur le coup, hein, c'est arrivé comme une tonne de briques, hein, et puis ben là, j'ai pu me mélanger un peu, mais la frontière franco-allemande, c'est bien ça, Florent? Lui aussi, son poste est chaud maintenant. Oui,
QSL 14 Delta Fox 472 Florent. Oui, ça va bien, comme je disais tantôt à Eric et Rémi. C'est un peu plus froid, hein? C'est un peu plus froid aujourd'hui, hein? Moins 3 degrés. Et puis, des petits flocons de neige qui tombent ici et là. Et puis, pour demain, un peu plus froid encore, hein? Et puis, c'est sûr, sur le Québec, la pluie, de la neige à venir, certains endroits. Mais à part ça, oui, ça va bien. Ça va bien, Florent et toi? Oui, QSL, ben avec ta permission, je peux te faire tourner la pastille sur le côté de Eric. Eric peut faire tourner sur Rémi pour le petit QSO journalier, Florent. À toi, Eric, 14 Zulu Golf 51 sur Montmelon. Eric, à toi le micro. Cacophonie. Juste un peu. Merci pour le retour du micro. Alors, je t'entends aussi bien en direct et encore mieux sur le web SDR de Ottawa. Voilà. Ça fait un petit peu cacophonie entre les deux oreilles, mais ça passe quand même. Alors, les 73, 51 à, ah, bah, ça y est, j'ai oublié le prénom, de la frontière franco-allemande, si j'ai bien entendu, oui, c'est ce que j'ai entendu, de 14 km, 33, 01 Rémy, le département de la Gironde, le sud-ouest de France. QSL, Gilles qui reprend Florent. Oui, Rémi, Rémi t'envoyait les bons chiffres, Florent. 73-51, Rémi 14 km, 33-01 sur la Gironde, département 33, à côté de Saint-Émilion. Puis Rémi, ben, je crois que Florent aussi te retourne la... Oh.
Oui, QSL, merci beaucoup du retour, Eric. Ben, tu vois, moi, la même chose. D'habitude, Rémi, on s'entend mieux que ça, mais moi aussi, il m'entendait pas trop ce matin, là, comme plus tôt, là. J'arrivais pas trop costaud. Les deux, on avait du mal par moment à se copier. Alors, je vois que c'est pas juste de son côté, hein. C'est aussi de mon côté, mais la propague qui joue un peu des tours, des fois quand il est un peu trop tôt. Florence, 57-59, hein, ça joue entre 57-59 ici sur mon QRA, le QSL. QSL, merci du retour, Florent. Ben, c'est comme ça, hein, depuis un petit moment. Hein, il n'y a pas juste que Dame Propague qui a de la difficulté, hein, Dame Nature aussi, hein, est un peu mélangée. Pour moi, ils sont sœurs et sœurs, Dame Nature et Dame Propague, ils sont sœurs et sœurs, je crois, à chez deux coups. QSL, pas de problème. Merci beaucoup du passage. Hein, toujours sympathique, Florent, d'entendre la frontière franco-allemande. Et puis, tous les bons chiffres renouvelés de l'ensemble du groupe des tenants du QSO journalier. Toutes les amitiés au QRA, hein, en espérant que la propague tienne le coup aujourd'hui. Puis sinon, ben, c'est sûr que demain, on peut renouveler tout ça. Alors, je te retourne le micro pour faire suivre avec la finale sur côté de Eric. Ben, vas-y Eric, je crois que je suis pas certain si Florent nous quittait ou s'il restait de côté, mais s'il nous quitte pas, on peut faire voir s'il y a d'autres stations qui veulent rentrer dans le QSO, Eric, à toi. QSL, merci du retour. Je vais voir si Rémi est toujours avec nous sur la Gironde, le tenant de la Gironde. Oh oui, monsieur! Je suis toujours là. Eh bien, tiens, puisque Eric est là avec nous, Eric, pour Gilles, connais-tu des filtres, mais filtres multi-QRM, genre NewsBlanker, c'est ce genre-là, qui pourrait brancher efficace, hein, qui pourrait brancher entre son poste et l'antenne. Eric, si tu arrives à m'entendre, est-ce que tu aurais certaines marques, certains modèles de ce genre de filtre pour lui? Alors pas le QRM Illuminateur, parce que certains se trompent sur ce filtre.
Mais dans le genre news blanker, dans ce genre-là, plus davantage pour Gilles. Retour Rick. Attention, bon, d'accord. Retour, Gilles. Pas, Eric, c'est Rémi qui t'envoyait, il te posait une question. Je vais prendre la QSP. Il te posait une question pour un filtre DSP ou du genre pour le QRM avant de rentrer dans le poste. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est inventé ou est-ce que ça existe? Un DSP qui rentre avant le poste, non pas à la sortie du poste. Rick, à toi. Ah, zut. Un coup de fatigue. Mais si. Pas compris, c'est pas pour moi. Ouais, merci pour autour de micro. Ah, mais c'est pas pour moi, c'est pour Gilles. C'est pour Gilles. Moi, de mon côté, là, ça va. Puis surtout aujourd'hui. Alors là, aujourd'hui, c'est le calme plat. Je me suis amusé justement là à couper un peu le DSP. J'ai coupé en même temps là à l'instant là le filtre NB là pour voir un petit peu ce que ça donnait. La différence est vraiment insignifiante là de mon côté, quoi. Mais c'est surtout pour Gilles. C'est lui qui a surtout besoin d'un bon filtre anti-QRM et anti-QRM, anti-QRN à mettre entre le poste et l'antenne. Voilà, Eric, c'est pour Gilles surtout. Ben, c'est normal. Bon, d'accord, si, là, quand même, je m'étais trompé de bouton tout à l'heure. Là, j'enlève le NB. C'est une bonne idée, hein, mais quel Père Noël que je prends, là? Le Père Noël sur la 14 ou le Père Noël sur la 9, là? Ah, je suis deux coups. Sur la 9. En plus, il a déjà son traîneau sur la 9. Zut. Perso, je dis, tant qu'on teste pas, on sait pas. Il y a toujours quelque chose à faire, même quand on croit qu'il n'y a plus rien à faire.
Oh la vache. 1200 euros, pas très cher. Oui, QSL, Eric, merci beaucoup. C'est bien noté, c'est bien noté. Ah, bon, on sait jamais, peut-être pour le futur, hein. Mais on arrive quand même à faire de sympathiques QSO. J'ai entendu Rémi en même temps que toi au début du QSO. Tandis que je l'entends bien, je lui retourne la pastille. À toi, Frangin. Oui, désolé, j'ai repris le micro au moment où il fallait pas. Je m'en suis vite rendu compte, j'ai vite relâché le micro quand j'ai entendu Eric sur le web, sur le web SDR d'Ottawa. Comme quoi, tu vois, ça m'est bien utile d'avoir ça en doublon, là, à côté de moi, là, à ma gauche, pour être sûr de vite relâcher le micro et pas perturber davantage. Moi, j'aurais envie de dire que il y a toujours... Ah oui, non, on parlait du Père Noël. Et Gilles, c'est le Père Noël de la Neuf. Forcément, il y a déjà de la neige là-bas sur la Neuf. En plus, donc, il doit avoir son traîneau à portée de main. Et pour le filtrage, je dirais qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a forcément toujours quelque chose à faire. Déjà, voir si les QRM ou QRN que tu as sur le poste ne viennent pas déjà du QRA. Puisque, tiens, ne serait-ce que les petits chargeurs de téléphone et ceci, cela, les éloigner du poste. Il y a tous ces petits trucs-là qui peuvent créer du QRM. L'ordinateur, l'écran de l'ordinateur qui peut aussi, ça peut aussi rayonner pour faire du QRM. J'avais déjà fait des tests là chez moi et effectivement, l'ordinateur éteint ou allumé, eh bien c'est des fois. Alors ça me le faisait avec le précédent ordinateur. Celui-ci, ça a l'air d'aller. Le précédent ordinateur, effectivement, il me générait un peu du QRM. Au niveau chargeur téléphone. Alors c'est pareil, là aussi j'en avais un autre petit chargeur de téléphone qui me sert à alimenter là les LED, là comme toi, qui me faisait du QRM. Alors celui-ci je l'ai viré, j'en ai mis un autre à la place, plus de QRM depuis. Toi, bien souvent la recherche du QRM doit commencer par chez soi. Et après, ok. Ah mais je sais pourquoi j'ai pas de QRM aujourd'hui sur le poste. La télé était éteinte. Voilà. Je suis à quoi? Je dois être à 4,50 m en gros de la télé. Et là, elle est éteinte. Et j'ai zéro QRM là sur le poste. Alors si je l'allume, par contre, oui, je vais me retrouver avec un 2-3 de QRM sur le poste. Ça, oui. Là, elle est complètement éteinte. Et donc là, j'ai pas de QRM. Voilà. Tu vois, par exemple, moi, ma source de QRM, je sais de quel côté aller. Retour Gilles. Ah putain, je l'ai perdu, il est tombé de la chaise. Bon, tu verras ça dans la vidéo, Gilles. Zut. C'est là qu'on voit l'intérêt des vidéos. Pour le coup... Il aura le QSP via... Il aura le QSP via via la vidéo. Donc Gilles, alors là, 15h45 ici. Donc 9h45 pour toi, note l'heure. Là, j'ai le retour sur Ottawa. Thank you.
On l'entend sur la gauche. Hein. Sur le web SDR d'Ottawa. Alors, je sais pas ce qui se passe avec le web SDR de Montréal-Laval. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Alors Dave Lagunette, je sais à quel moment le QSO va se terminer. Quand l'XY va arriver, elle va allumer la télé. Bon, certains me diront, ben, j'ai qu'à mettre la station ailleurs. Ça va être compliqué. L'abri de jardin, pas question, il fait froid dehors. Et puis zut, je pourrais plus profiter de la station comme je veux si je la mets ailleurs. Là, je suis installé dans la pièce principale, d'un coin où j'ai fait mon bar, justement. Mon bar australien. Bon, d'accord, j'utilise juste un coin. Elle est environ 70 cm pour mettre le matériel. Allez, je l'entends plus. Hein. Enfin, j'entends plus sur le poste, quasiment plus sur le poste. Et les 73 ou 70 30. Ah, 71-13. Les 73, 71-13.
l'horizontale. Ah, c'est pour ça que je l'entends pas sur le en direct. Hein. Voilà le problème. Il serait sur la verticale que j'arriverais certainement à l'entendre. QRP pour moi. Déjà. Hésite. Ouais, alors déjà, dans la prévention des QRM, il y a un truc à faire, c'est le câble coaxial, l'écarter de toute source électrique. Alors je dis ça parce que certains ne le font pas forcément, et du coup le câble est en contact... histoire de regrouper les fils, les câbles, ils mettent tout ensemble pour que ça fasse plus rangé. Mais le câble coaxial, lui seul, doit bien être écarté de tout le câble électrique. Puis mettre le matériel à la terre aussi, hein, pour éliminer les résidus électriques. Alors normalement, ça ne doit pas être la même terre que celle de la maison. Hein. Quand c'est possible, il faut ajouter une autre terre. Merci pour le retour de micro. Eh bien non, pas du tout, puisque il est sur directive, et c'est là le problème. Les OM qui sont sur directive, eh bien du coup, je peux pas les entendre. C'est... Ils seraient sur verticale, que ça passerait beaucoup mieux. Ouais. Mais là, bon, sur directive, mais c'est pas grave. Je lui envoie les bonnes 73-51. Putain, hey, je suis en train de me rendre compte que sur le web SDR d'Ottawa, je suis en train de pousser, de passer comme un boulet de canon. Ouais. Ah oui, ça bombarde là-dessus. J'ai le retour là de ma voix dedans. Ça me fait un écho entre les deux oreilles. Bon, en tout cas, les bons 73-51, Jean-Noël, mais désolé, mais je l'entends pas. Pour l'écouter, il faut que j'écoute. Je vais y arriver. Il faut que je l'écoute sur le web SDR de Ottawa. Là, ok, de ce côté-là, de ton côté, j'arrive à l'entendre. Jean-Noël,
en direct. Non, même pas. J'allais dire, on le devine en direct, mais non, c'est du côté Ottawa que je l'entends. Ouais. Ouais, je crois que oui. Toi, ça bombarde, pas en signal mais en radio. Merci, tout ça retourné à lui amplifié. Oh la vache. Pourtant elle est forte la propagande. Hein. Là, par contre, j'ai une rampe, j'ai des éclairages LED plafonniers. J'ai pas de QRM en plus. Et
Présent. Ah, il passe mieux sur Ottawa que de mon côté. Pourtant, ça passe aussi de mon côté. Ah, Joachim. C'est Joachim. Joachim. Putain, je lui ai gueulé dans les oreilles, là. Alors pour les tatillons, il y en a qui diront qu'il y a un gros décalage en fréquence. Là, c'est des miettes. Hein. C'est vraiment des miettes. Hein. C'est pas méchant, ça. Et puis un clarifieur, hein, c'est fait pour servir. Ah, t'es... Qu'est-ce qu'il nous fait, ouais. Ah, il est peut-être plus là. Okay, 1-4 Romeo Charlie, 2-7 looks like I lost you. 73, you can still hear me. Appreciate the contact. 2 November Sugar, 101 New York. We'll be clear with the 14 Romeo Charlie, 275 in Claremont, France. Yes, yes, sir, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis, répondons, mais Jacques, il m'a tiré ton micro en partout en fin de journée sur Rémi et sur Claude sur la portée franco-belge. 14, Sugar Delta, 85, là, tu dois le faire. La fin des cuisses pour moi arrive. Bon, de toute façon, j'ai du boulot qui m'attend. Alors. Les Laurentides, pour faire suivre avec 14 Romeo
C'est l'heure pour moi de passer en QRT. Merci, les bonnes ce sont 13-51 tous, 14 km 33-01 Rémi, Dandy 33 sur le département de la Gironde. C'est l'heure pour moi du cappuccino journalier. Donc ça veut dire que l'XYL est arrivé. Elle vous envoie les 88, même si elle ne l'a pas dit, elle vous les envoie quand même. Les 73-51, 212 de ma part. Et je me mets au travail après en suivant là sur la vidéo d'aujourd'hui. Et tu pourras voir ce que ça donne là de mon côté. Et en même temps, tu pourras voir le QSP de tout à l'heure quand on a parlé de filtres et tout ça, Gilles, dans la vidéo. Hachi. Donc, bye tout le monde et bonne continuité de QSO. Je l'entends des deux côtés là. Oui, ouais, ouais. Merci, les bonnes 73 retournées également. Alors, je vous entends des deux côtés, aussi bien en direct que via le web SDR de Ottawa. Donc là, comme dirait l'autre, c'est dans la boîte des deux côtés. Merci, 73 212, à plus. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.